a un double diplôme qu'on appelle le bachelor tourisme, qui est constitué d'un titre RNCP, équivalent à un bac plus 3, et un certificat tourisme bienveillant dispensé par l'UCLI. Le certificat qui est enseigné ici est un certificat justement qui va permettre d'ouvrir les jeunes sur les nouvelles formes de tourisme, les menaces, les opportunités et justement le tourisme de demain. Je me suis inscrit en bachelor tourisme donc à la suite d'une annonce que j'ai vue sur les réseaux sociaux. C'est un diplôme qui est garanti, qui assure d'avoir du travail directement à la sortie de la formation. Et ça, c'est sûr que c'est un gros plus. Pour les inscriptions, les prérequis sont soit d'avoir un BTS tourisme, soit d'avoir 3 ans d'expérience dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie ou de la restauration. La formation est en apprentissage, avec une partie en cours ici et une partie en entreprise dans différents hôtels et restaurants du département. C'est une formation qui est très complète, que ce soit en droit, que ce soit en communication, en marketing, en finance. Enfin, voilà, on touche vraiment à tous les sujets qui sont importants pour justement être responsable d'une structure. On a des super intervenants, très pros et toujours disponibles, super motivés, donc c'est chouette. Le rythme de l'apprentissage est sur un rythme une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Ce qui convient bien aux employeurs puisque ça fait des périodes assez longues en entreprise, ça leur permet de mener des projets de A à Z beaucoup plus facilement. L'apprentissage, je le fais dans un hôtel en face de la gare au Puy-en-Velay. Et donc, ce qui me plaît dans ce format, en fait, c'est que c'est des notions qu'on travaille en cours et directement après, on peut les réutiliser dans l'entreprise. Et ça, c'est génial. On fait tout le suivi avec notre partenaire de la CCI. Donc, on intervient en entreprise chez les employeurs pour voir un peu comment ça se passe au niveau de l'alternant, mais également de l'employeur. Ils ont besoin d'avoir des futurs recrues qui sont formés à leur main et qui vont pouvoir ensuite les aider à développer leur entreprise. L'accompagnement à l'UCLI est vraiment excellent pour le coup. On nous a directement aiguillés sur plusieurs pistes en fonction un peu de nos besoins, ce qui nous intéressait finalement dans la formation. On m'a proposé un rendez-vous directement avec mon directeur et quelques jours plus tard, du coup, j'étais embauché. J'espère rester dans la structure où je suis en ce moment, mais c'est un diplôme qui peut être intéressant puisque ça permet d'ouvrir des portes un petit peu partout et pas seulement en France, donc c'est intéressant. Je pense trouver un emploi directement en sortant. Je suis plutôt bien intégré à l'entreprise que j'ai rejoint en alternance et je m'attends à avoir une proposition d'embauche derrière. Tant que les gens auront justement la curiosité d'aller découvrir l'autre, une nouvelle ville et de sortir, pour moi le tourisme vivra toujours.